This is a moment that I know all of us have been looking forward to. We are absolutely thrilled and delighted that our opening keynote speaker is Dr. Maran. You know him as a remarkable contemporary thinker, as a philosopher, a sociologist with enormous influence across the globe. And for many of us, the 7 complex lessons in education for the future is a guide, a roadmap for how we can bring learning to life. We are now going to invite Dr. Maran to come onto the stage to deliver his keynote. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Altesse, Mesdames et Messieurs les organisateurs et chers collègues présents, venus ici de tout continent. Je vais essayer de vous dire ce que je crois profondément concernant des nécessités fondamentales pour réformer nos systèmes d'éducation. Nous l'avons dit, et ceci est écrit aussi dans ce bâtiment, il faut éduquer à vivre pour aider à vivre. Or, vivre, ce n'est pas seulement manier sa langue, ce n'est pas seulement avoir des éléments de calcul, de mathématiques, de sciences physiques, de différentes sciences, et ce n'est pas seulement avoir une éducation professionnelle qui est évidemment indispensable. Vivre, c'est aussi affronter sans cesse et toute sa vie le problème de la difficulté de la vérité, le problème de l'erreur et de l'illusion. Vivre, c'est affronter toute sa vie les incertitudes sur sa santé, sur sa carrière, sur son bonheur. C'est vivre, c'est affronter toute sa vie son propre, c'est le problème de la compréhension humaine, c'est-à-dire pouvoir vivre, c'est être capable de comprendre autrui, de comprendre le proche, de comprendre le lointain, de comprendre l'étranger. Et tout ceci, vous savez bien, pour comprendre, pour affronter les incertitudes, il faut essayer d'être armé contre le problème des erreurs et de l'illusion. Et puis je crois aussi que pour vivre, il faut être conscient de ce que nous sommes, nous, êtres humains. Il faut être conscient de l'aventure humaine dans laquelle nous sommes tous embarqués désormais avec cette ère planétaire, avec cette mondialisation dans laquelle nous sommes emportés. Et alors, rien de cela n'est enseigné dans nos écoles, collèges, lycées, universités. Et je pense que c'est cela qui doit être intégré dans notre enseignement pour y être apporté aux jeunes de tous sexes. Et là-dessus, parce que le temps d'apprendre à vivre, quand on n'a pas cet enseignement, il est déjà trop tard, comme a dit un poète français, le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et donc, c'est aussi ceci que j'ai moi-même proposé dans un document, dans un texte écrit pour l'UNESCO en l'an 2000. Alors, tout d'abord, j'ai dit que ce problème que nous rencontrons partout, qui est la difficulté de la vérité, qui est de l'erreur et de l'illusion, et d'ailleurs quand nous regardons les certitudes du passé, nous avons l'impression que c'est un tissu en grande partie d'erreurs et d'illusions, ne serait-ce que des certitudes du siècle passé. Et donc, nécessité d'intégrer dans l'enseignement très tôt la connaissance de la connaissance et pas seulement de fournir des connaissances.
parce que toute connaissance, à commencer par une perception visuelle, est une traduction suivie d'une reconstruction. Et ceci qui est vrai pour la perception, où automatiquement je rétablis la dimension des personnages qui sont devant moi, parce que ceux qui sont petits, ceux qui sont très loin, sont tout petits à ma rétine, et ceux qui sont près sont beaucoup plus grands, alors que je ne perçois pas ces différences, à mon avis, je rétablis la constance de leur taille. Eh bien, tout ceci, quand c'est traduit en mots, en théorie, en idées, chaque fois, il y a un risque d'erreur dans la traduction et dans la reconstruction. Et c'est ça, le destin humain, affronter ce problème de l'erreur. Et l'erreur vient aussi de la réduction. C'est-à-dire quand nous, par exemple, nous voyons un problème complexe, un personnage humain qui est un être complexe, qui a différents aspects dans sa personnalité. Quand nous réduisons ce personnage à un seul aspect, soit le meilleur, soit le pire, nous faisons de la réduction. Là encore, nous avons une vision erronée et pas juste de cette réalité. Il est nécessaire d'apprendre, d'enseigner à toujours voir l'ensemble, avoir le complexe, avoir le contexte. C'est une éducation qui doit se faire permanente au cours des années d'éducation. Et je dirais aussi que j'ai parlé de la compréhension d'autrui qui est vitale au sein d'une famille, au sein d'une profession, au sein de la vie quotidienne, mais aussi qui est nécessaire pour comprendre l'autre, l'étranger, parce que désormais, dans cette époque planétaire, nous communiquons nécessairement, même indirectement par la télévision, par les images avec les autres. Ce qui est important dans la compréhension, c'est de comprendre comment l'autre est à la fois identique à soi, parce qu'il a les mêmes possibilités de douleur, de joie, de bonheur, et qu'il est en même temps différent de soi, qu'il est singulier avec sa culture, ses mœurs, ses habitudes. Comprendre l'identité et la différence, c'est ça qui est très très important pour aussi qu'on puisse vivre dans une harmonie meilleure avec autrui. Je pense qu'il faut troisièmement enseigner à affronter les incertitudes. Déjà, dans les sciences comme la microphysique, comme les sciences de l'univers, on rencontre beaucoup d'incertitudes. Et ces incertitudes, nous le rencontrons évidemment dans notre vie personnelle. Nous ne savons pas ce que sera notre destin quand nous naissons. On peut dire qu'en général, vivre, c'est naviguer dans un océan d'incertitudes à travers des archipels de certitudes. Or, ceci nécessite, et en plus, je dois dire que toute décision que nous prenons est en fait un pari. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle va réussir, et parfois elle est déviée par le jeu des interactions dans le milieu où elle s'opère, et souvent elle revient sur notre tête comme un boomerang. Alors, même quand nous sommes sûrs de prendre une décision, nous devons prendre conscience que nous faisons des paris. La conscience du pari, quand nous prenons une décision, nécessite elle-même la conscience qu'il faut faire des stratégies. Et il faut enseigner cette conscience, et il faut enseigner l'art des stratégies de pouvoir avancer dans l'incertitude. Parce que vous savez que ce mot, issu du mot grec, c'est-à-dire la stratégie qui est née de l'art militaire, il est né parce que justement, on ne sait pas ce que va faire l'ennemi, on ne sait pas quelles sont ses intentions, on ne sait pas où il se trouve, et il y a tout un art de savoir, de changer son comportement en fonction des informations. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important qui est nous-mêmes, être humain. On nous enseigne nulle part ce que nous sommes. Et ce que nous sommes n'est pas simple,
parce que nous sommes en réalité une trinité, c'est-à-dire trois éléments en un. Nous sommes évidemment des individus, mais nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes en même temps des êtres biologiques. Et nous avons ces trois aspects qui sont indissociables. Et pourtant, notre enseignement les dissocie. On étudie le corps et le cerveau en biologie. On étudie l'esprit et la vie sociale dans les sciences humaines. Et donc, tout ceci devrait être lié parce que nous sommes inséparablement à 100% des individus, à 100% des êtres sociaux et à 100% des êtres biologiques. Et c'est cette réalité qu'il faut enseigner, de même qu'il nous faut enseigner la complexité de l'individu, parce que nous disons que l'homme est un animal doué de raison, c'est vrai, mais il est doué de capacité de folie. L'homme est un animal qui fait des outils, qui a la technique, c'est vrai, mais il a aussi la religion, il a aussi les mythes, il a aussi les croyances. Nous devons comprendre aussi que dans tout être humain, il y a quelque chose qui le pousse à l'égocentrisme en tant que sujet pour se défendre, pour se nourrir, mais en même temps, il y a un autre principe qui est complémentaire et contradictoire apparemment, qui est celui du « nous », de la communauté, du vivre avec autrui, de l'amour, de la tendresse, et que ces deux choses se combattent entre nous. Donc, si vous voulez apprendre, enseigner la réalité humaine, est une chose qui me semble absolument indispensable. Et enfin, nous sommes dans l'époque de la globalisation, nous, ce qui est une époque de précipité, une époque chaotique, une époque qui comporte des risques énormes et des chances énormes. Et il y a besoin de nous situer. C'est l'écrivain Sabato qui disait « Nous avons besoin de mondiologues », c'est-à-dire d'une capacité de voir ce qui se passe, qui est enchevêtré, démographique, politique, religieuse, sociale, etc., alors que nous n'avons que des experts séparés qui traitent chacun sa question propre à sa compétence disciplinaire. Donc, voici des choses fondamentales à enserrer. J'ajoute qu'il faut ajouter à cet enseignement qui nous traite de questions fondamentales et globales qu'on n'est pas capable de traiter vu le caractère morcelé et séparé des connaissances actuellement. Ça nécessite évidemment une nouvelle formation. J'ajoute aussi qu'il y a un deuxième type d'éducation à intégrer sur lequel je vais être extrêmement rapide, vu que l'horloge coule rapidement. C'est une éducation de civilisation, parce que ça aussi, je pense que nous avons, il y a les civilisations occidentales, et dans le reste du monde, vous avez un mélange, vous avez une juxtaposition, vous avez une symbiose, vous avez des oppositions entre des civilisations traditionnelles et cette civilisation occidentale qui a envahi le monde avec justement la globalisation. Et c'est ça qui est important dans chaque civilisation, introduire, connaître, enseigner ce qu'est la famille, enseigner ce qu'est la consommation, enseigner ce que sont les médias, enseigner bien entendu ce qu'est Internet, enseigner, si vous voulez, tout ce qui n'est pas enseigné et qui concerne la vie quotidienne de chacun dans sa propre civilisation et dans les pays où il y a justement cette rencontre entre la civilisation occidentale et cette civilisation traditionnelle, voir quelles sont les vertus et les carences qu'apporte la civilisation occidentale avec son individualisme exaspéré et sa dégradation des solidarités, les vertus et les carences des sociétés traditionnelles qui cultivent encore des solidarités, mais qui ont des carences dans l'ordre démocratique, par exemple. Tout ceci pour vous dire qu'il faut introduire dans le système éducatif
ces thèmes qui me semblent fondamentaux et que ceci nécessite aussi une formation nouvelle et spéciale qui aurait un caractère transdisciplinaire et concernant ces différents thèmes. Notamment, effectivement, il faudrait qu'il y ait un enseignement de civilisation comme un enseignement des grands thèmes que je vous ai indiqués. Et si vous pensez à tous les périls que court l'humanité dans cette aventure inconnue, où l'avenir est tout à fait incertain, où nous sommes actuellement désarmés, alors la réforme de la connaissance et la réforme de pensée deviennent des éléments absolument nécessaires. Ils ne sont pas suffisants, bien entendu, mais ils nous permettraient d'être mieux armés dans tous ces processus, dans toutes ces conditions dans lesquelles nous vivons en tant qu'individus, en tant que citoyens et en tant que chacun petite partie de cette humanité qui court cette étonnante aventure qui a commencé il y a des millions d'années. Et c'est ceci qui sera nécessaire au bien de chacun. Apprendre à vivre, voilà la question, et qui se pose renouvelée et qui se pose de façon aiguë et insistante aujourd'hui, et qui appelle, c'est une grande réforme. Vous savez qu'une réforme, elle commence toujours d'une façon singulière, parfois marginale. L'université moderne est une université qui est née au début du 19e siècle dans une petite ville qui était une capitale d'un petit pays, la Prusse, Berlin, par le génie d'un penseur Humboldt qui a introduit à ce moment-là les sciences en plein essor dans l'université. Et ce modèle d'université est devenu européen et il s'est mondialisé. Il suffirait que dans quelques pays naissent un nouveau type d'université, de formation des maîtres, de système scolaire, pour que l'exemple puisse rayonner. Je le répète et je termine là-dessus. Apprendre à vivre, ça veut dire apprendre à affronter des problèmes vitaux que, encore aujourd'hui, on n'enseigne pas. Je vous remercie de votre attention. Thank you.